Salut tout le monde, c'est Mike Tigrin pour une petite vidéo rapide de présentation de mon premier étage consacré aux figurines Miklos à l'effigie de Soul of Gold. Soul of Gold, qui est cette série qui se passe parallèlement à la série Hades, quand les 12 chevaliers d'or sont envoyés à Asgard contre le dieu Loki. Alors, donc comme je l'avais précisé dans pas mal de vidéos précédentes, donc on a ici 4 étages consacrés à Asgard, avec ce fameux lion qu'on se souvient, hein, dont on se souvient ici, ce fameux lion qui est recouvert de l'armure d'Odin d'or. Là, on a les civils. On a les civils, dont le bélier va arriver la semaine prochaine. Regardez, ces magnifiques civils. Voilà. Et là, ce lion. Mais quelle classe. Magnifique. Là, on a un autre étage, avec provisoirement un canon cheveux au vent, version Metal Club. Regardez-moi ça, cette classe sur ce décor, c'est magnifique. Et alors enfin, on a ce premier étage dont je vais vous parler aujourd'hui. Cet étage qui regroupe 4 figurines et non plus 3, comme c'était précédemment le cas. Donc j'avais mis, souvenez-vous, le bélier à la place du cancer, et le cancer était sur l'autre étage provisoirement. Donc étant donné que je n'ai que 4 étages, il va vraiment falloir ruser, et donc je pensais éventuellement partir sur 3 étages de 4 figurines à chaque fois pour gagner un peu de place. Ça n'a pas été chose aisée. Alors, voilà un petit peu, donc la Vierge ne bouge pas, regardez-moi ça, cette classe, cet esthétisme, avec le pied légèrement relevé vers l'arrière. Alors je vais vous expliquer pourquoi j'ai placé les personnages de la sorte, et les petites astuces pour les faire tenir. Alors, pour la Vierge, pas évident de le faire tenir comme ça, avec un pied quasiment dans le vide. Donc, je me suis servi du petit mur de briques derrière, regardez, juste là, les petits pavés, pour accrocher les ailes de l'arrière. Donc, la figurine est stable. Pour le lion, même chose, regardez. Je me suis servi donc, regardez, cette patte juste ici, qui est légèrement enfoncée dans le poli pour lui donner une stabilité certaine, regardez. Enfin, on a le cancer, dont je souligne la pose qui est vraiment sublimissime. Regardez, magnifique pose du cancer. Lui est juste posé. Voyez. Ah mais non, lui n'est même pas posé. Lui, il est vraiment mis sur ses pieds. Il est totalement stable. J'avais vraiment pu ruser pour le mettre complètement stable. Et enfin, on a ce fameux bélier qui a fait pas mal de polémiques. J'ai reçu pas mal de MP et pas mal de critiques sur Facebook concernant cette pose. Alors, pourquoi mettre le bélier sur un petit muret alors que sa place n'y est pas du tout? On aurait peut-être vu 10 masques à la place du bélier. Tout simplement parce que le bélier, voilà, au niveau de ses ailes, j'ai trouvé une astuce là-bas pour le faire tenir. Regardez à l'arrière sur le muret. Son aile est posée sur le muret. Et là, son aile est posée contre la vitre. Ça lui donne une stabilité, il ne bouge pas. Il ne bouge pas. Alors que le cancer, lui, n'aurait eu aucun point de stabilité, n'aurait pas pu s'appuyer sur le mur derrière. Il faut aussi penser à ça, les amis. Hein. Il faut aussi penser, quand je place une figurine, ce n'est pas toujours un choix facile au niveau des poses. C'est aussi stratégique et c'est aussi au niveau des astuces. On ne peut pas placer les personnages où on veut. Je me voyais mal, par exemple, mettre le cancer sur ce muret. Il serait tombé, c'est certain, il serait tombé, le poids des ailes étant trop lourd. Il a besoin absolument d'un poids de stabilité à l'arrière, chose qu'il n'aurait pas eu sur ce muret. Donc voilà, raison pour laquelle j'ai mis le bélier là-bas. Alors, le bélier ressort un peu plus, étant donné qu'il est en hauteur. Ça me permet justement de jouer avec des hauteurs différentes, regardez. Et de ne pas avoir un remplissage à l'horizontale de figurines inutiles. En plus, le bélier étant mon signe, ça me permet vraiment de le mettre bien en évidence. Regardez, pour une fois, ce bélier qui est toujours en retrait est bien mis en évidence. Ça permet de voir les cheveux correctement, ça permet vraiment de profiter un maximum du personnage. Alors voilà pourquoi j'ai placé mon étage de la sorte. En ce qui me concerne, cet étage est fini, je n'y reviendrai plus jamais. Les poses sont vraiment travaillées. J'ai vraiment bien réfléchi, et pour le cancer, là, je suis vraiment conquis. J'ai chipoté pas mal tout à l'heure, et là, j'ai vraiment trouvé la pose qui est vraiment, vraiment, vraiment parfaite pour lui. En tout cas, moi, elle me convient. J'espère que pour vous, ce sera la même chose, mais moi, elle me convient parfaitement, cette pose. Je la trouve divine. C'est le cas de le dire. Alors, voilà mon étage. Donc, second étage, qui, lui, va se voir amputé de canon d'ici quelques jours, étant donné que le Capricorne en version SOG arrive. Donc le Capricorne va prendre place sur ce décor, ainsi que le Milo du Scorpion en version pirate, mais je ne connais plus trop le nom.
je ne sais plus, je pense que c'est Toys, quelque chose comme ça, enfin soit. Vous allez avoir la joie et le privilège de découvrir le montage du Milo Scorpion, alors que, en version pirate, alors que c'est pas du tout mon truc. Il sera probablement, voire très certainement remplacé lorsque la version Tamashii officielle Bandai sortira. Là, vous avez de nouveau les civils. Le bélier arrive également en même temps que le capricorne et en même temps que ce fameux Milo du scorpion. Et là, vous avez ce fameux étage avec l'armure de Dain. Donc là, juste derrière, en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va placer Loki lorsqu'il sortira. On mettra Loki là juste derrière pour pouvoir vraiment donner quelque chose de très 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 joli. Voilà un petit peu ma vitrine à l'effigie de Soul of Gold. 4 étages, vraiment d'une pure beauté. Comme je l'avais précisé dans ma précédente vidéo, si je ne devais garder qu'une seule vitrine, je garderais probablement la Soul of Gold. Je la trouve vraiment divine. Regardez-moi ça, ces armures imposantes, c'est vraiment magnifique. Je vais couper la lumière de la vitrine pour vous faire profiter de la brillance des armures. Voilà, regardez. On va rallumer. C'est superbe, hein. Très très beau travail au niveau de la décoration, au niveau des dioramas. Les 4 décors étant été réalisés par mon bon ami David, alias Tadashi, que je vous invite à contacter si vous désirez des décors. Il travaille très très bien. Il est passé maître vraiment dans le décor typé Asgard. Il a attaqué Poséidon. Je vous invite à aller voir son mur, sa page. Vous allez vite vous rendre compte qu'il s'agit là d'un gros 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 renouveau au niveau du décor Midclos. Regardez-moi ça, cette classe. Regardez-moi ça. Cette prestance au niveau du chevalier. Là, avec le bras juste derrière le dos. C'est tout simplement magnifique. Le lion descendant les marches, fière allure. Et enfin, la Vierge. Voilà. Je crois qu'on a fait le tour des vitrines. Je vous dis à tous à très très bientôt pour la prochaine vidéo de présentation de la figurine de Shura du Capricorne en version EX-SOG. Ainsi que celle de Milo du Scorpion en version EX-SOG également, mais en version pirate. Vous aurez également l'honneur de découvrir le bélier. Il est déjà sorti un petit moment, mais en version civile, qui prendra place sur ce décor avec ses compères. Donc voilà, on va découvrir tout ça ensemble. 3 nouvelles figurines qui devraient arriver bientôt. Ainsi que la version, tout simplement la version... OCE pirate également du Metal Club, donc dit S-Temple pour l'instant, au niveau du Saga des Gémeaux, donc qui va prendre place sur ce décor réalisé par Kyo. Donc voilà, pas mal de nouveautés qui devraient arriver, donc on va profiter de tout ça tous ensemble. Je vous dis à tous à la semaine prochaine. Salut, ciao ciao! どうだ、地獄を見た感想は。